Something is holding me back. Not anymore. No flow hotter, born like Globetrotter. My flow slaughter, I'm new fire in all water. Style lit, I'm stylish, so stylish, I get it. Cool, handsome, and smooth, that equals coquettish. My music is your fetish, a fantasy, a make-believe. Bonjour, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à Culture Soccer. J'espère que vous allez bien, parce que moi et Antoine, on va super bien. Bonjour Antoine. Bonjour Anthony, comment ça? Ça va très bien, merci. Et pour cette première partie de l'émission, avant de pouvoir accueillir Adi Raphaël pour qu'il va nous parler des récentes nouvelles de la 15e Première Ligue, on reçoit Diego Tonatiuh, le rédacteur mexicain pour Lucarne Opposée. Bonjour Diego, comment ça va? Bonjour à tous, où vous soyez dans le monde, bonjour, bonsoir ou bonne nuit. Ça va très bien. Ça va et vous? Ça va très bien, merci. On a voulu t'accueillir pour cette première partie de l'émission puisque il y a eu une nouvelle assez choc récemment dans les médias américains et mexicains. C'est récemment le président de la Liga MX est sorti publiquement pour annoncer qu'une ligue conjointe entre la MLS et la Liga MX était possible pour devenir un réel compétiteur aux grosses ligues européennes. Le tout se produirait après la Coupe du Monde de 2026. Tout d'abord, là, Diego, comment la nouvelle a été perçue au Mexique? Bah, la nouvelle est tombée, on va dire, un peu comme une bombe, hein, parce qu'on ne s'y attendait pas forcément. Il n'y a pas eu beaucoup de débats dessus. Finalement, les jours qui ont suivi, on a beaucoup parlé de la sélection, vu qu'on est en phase, vu que c'est tombé pendant la période internationale. Évidemment, les réactions sont plutôt, on va dire, négatives ici. Tout simplement parce que les Mexicains sont très attachés à leur championnat, à la Liga MX. Donc rien à voir avec la MLS en tant que MLS ou en tant que Ligue américaine. C'est vraiment une espèce d'amour ou d'appartenance à la Liga MX qui fait que ici ça a plutôt été perçu comme quelque chose de négatif. Il faudrait déjà qu'on se pose la question quels sont les points positifs, je pense. C'est ça. On va pas sentir le premier, enfin celui qui a été annoncé par... c'est Banilla, c'est ça, le président de la Liga MX. Le premier point qui a mis en avant, c'était surtout de rivaliser un petit peu avec l'Europe. Mais d'un côté, je comprends d'où il vient et je comprends son point. C'est vrai que c'est pas plus mal d'avoir une grosse ligue en termes de marketing. Mais en même temps, c'est aussi, ça ne veut pas dire que les meilleurs joueurs partiront pas en Europe. Bah, moi, je trouve que c'est assez optimiste de dire « ça va forcément marcher ». Une ligue extrêmement forte sur le continent américain va être capable de concurrencer l'Europe. Déjà, au niveau technique, ça va prendre des années pour pouvoir concurrencer. Même au niveau économique, ça va prendre des années. Et ensuite, s'il y a une fusion, ce ne sera pas du tout sur le même modèle européen, finalement, puisque ce serait une ligue, un championnat, et pas... comme en Europe, c'est-à-dire plusieurs championnats et ensuite la Coupe d'Europe. Donc finalement, je pense que si on voulait vraiment concurrencer l'Europe, ce serait que chaque pays ait sa propre ligue nationale, en essayant de développer cette ligue nationale et en essayant de vraiment jouer sérieusement et de vraiment porter extrêmement d'attention et d'argent sur la Ligue des Champions de la CONCACAF, qui est finalement, je pense, la meilleure vitrine à l'heure actuelle pour au monde, en tout cas, pour parler de la CONCACAF. Ouais, parce que j'y pensais, en fait, ce qu'ils auraient pu faire, c'est simplement des playoffs entre eux, les meilleures équipes américaines et les meilleures équipes mexicaines. Mais dans ce cas-là, non seulement ça rend complètement accessoire la nouvelle coupe qu'ils ont lancée cette année, la Campeones Cup, qui de toute façon est plutôt accessoire, mais en plus, oui, ça tuerait complètement la CONCACAF Champions, qui est de toute façon à 90% dominée par les clubs mexicains et américains, enfin, surtout mexicains en termes de résultats finaux, mais même durant la compétition, c'est juste les Américains et les Mexicains qui arrivent un peu à arriver tout en haut. Donc oui, je suis assez d'accord sur ce côté-là. En fait, on va pas se mentir, aux États-Unis, la nouvelle a été prise un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que d'un côté, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations,
De l'autre côté, en fait, juste le fait qu'on ait cette discussion montre qu'il y a quand même une certaine évolution en structure aux États-Unis. Et donc, c'est pas plus mal pour l'image de la ligue. Et en fait, je pense que il y a aussi un côté marketing. Ça fait en sorte que tous les fans mexicains seraient un peu obligés de regarder de la MLS, puisque les clubs joueraient contre. Tous les fans américains seraient obligés de regarder la Liga MX. Et du coup, ça fait deux fois plus d'animat, deux fois plus de personnes qui s'y connaissent. Mais c'est vrai que oui, le développement de la CONCACAF Champions serait peut-être plus intelligent. Je sais pas ce que tu en penses, Anthony. Oui, moi je suis d'avis avec vous. De toute façon, selon moi, je comprends pas quand la Liga MX qui date de 1943, ce n'est pas rien, déciderait d'arrêter ses opérations pour rejoindre la MLS et faire une grosse ligue. Je vois pas comment le président de la ligue peut concevoir cette idée. Je pense que ça va être vraiment mal perçu. Je peux t'expliquer, hein. C'est assez facile. Les dirigeants dans le football mexicain, ils n'en ont pas grand chose à faire, hein, du football. Au Mexique, ils ont bien compris ça depuis longtemps. C'est avant tout un negocio, un business, quoi. Et pareil avec la fédération et la sélection, l'objectif c'est de ramener un maximum de monde pour générer un maximum d'argent. Donc c'est pas du tout une question de niveau, hein. J'ai vu récemment qu'on me disait que j'étais réfractaire parce que pour une question de niveau, etc. Mais moi je pense que c'est même pas une question de niveau entre la MLS et la Liga MX. Je sais pas où on sera la MLS en 2026. Est-ce qu'on est sûr que ce championnat aura atteint le niveau de la Liga MX, je n'en sais rien. C'est assez optimiste d'être aussi, on va dire, assuré, quoi, dans ce genre de propos. Mais en tout cas, c'est surtout, ouais, une question de culture. C'est-à-dire, tu dis que le championnat mexicain existe depuis les années 40. En réalité, il existe depuis bien avant. C'est juste le nouveau format. Le nouveau format, le format moderne, on va dire. Mais dans les années 20, il y avait déjà un championnat avec d'autres clubs, la plupart ont disparu. Mais oui, l'América vient de fêter ses 102 ans. Toluca est un club centenaire aussi. Pachuca est bientôt un club centenaire. C'est vraiment cette histoire, le poids de l'histoire et le poids de la culture qui serait une insulte en fait envers l'histoire et la culture que de décider de faire disparaître ce championnat. Et puis il y a plein de questions pratiques aussi qui se posent. Enfin, bien sûr, il y a le côté culture, mais le côté, voilà, comment tu fais plusieurs conférences, plusieurs divisions. C'est toutes les équipes dans la même division, c'est impossible. Enfin, il y a une cinquantaine d'équipes. Et même niveau des transports, c'est incroyable. Enfin, déjà que, je sais pas, quand Montréal doit aller affronter Los Angeles ou Houston, c'est compliqué. Mais si en plus ils doivent aller jusqu'au sud du Mexique, ça devient encore plus. Imaginons le club de Cancun va jouer Seattle, c'est 8 heures d'avion. Après, moi je pense pas que ce soit même si oui c'est compliqué, je suis pas sûr que ce soit l'élément le plus gênant, parce que ça finalement quand tu vois qu'en Coupe d'Europe on fait des déplacements longs mais oui, c'est sûr qu'en termes de logistique ce sera compliqué, mais ça c'est s'ils ont envie que ça marche, ça marchera. Après, le président. Oui, non, le problème, je pense que ça reste plutôt. Est-ce que tu peux dire, par exemple, à l'América, le plus grand club d'Amérique du Nord, tes 12 titres, tu te les mets où je pense, toute ta rivalité avec les Chivas ou à Mexico, etc., la Liga MX, au revoir, et tu t'intègres une nouvelle ligue. Il faut voir déjà si les clubs sont d'accord. Voilà, il faut voir aussi à quel niveau d'avancement est ce projet, si c'était juste une annonce ou si c'est un projet qui est déjà bien travaillé. Je pense pas du tout, parce que le président parlait d'une ligue, et après, en fait, c'est un peu repris, il a dit une ligue ou une coupe nord-américaine. Donc ça montre en fait que c'est vraiment très brouillon. Je pense qu'ils ont dû en parler quelques fois, et que la Campeones Cup, qui est donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, une coupe contre le champion MLS, champion Liga MX, qui a eu pour la première édition cette année, mais qui est vraiment passé sous les radars. Mais donc je pense que ça va un peu dans cette voie, c'est-à-dire de vraiment formenter les deux, mettre les deux championnats côte à côte. Le problème, c'est que oui, même si on met pas une ligue et une coupe, il y a pas la place dans le calendrier.
Deuxièmement, ça tue toute la CONCACAF, comme on disait. Donc, même une coupe, ça paraît très compliqué. Non, une coupe, oui, en fait, je ne comprends pas. La Ligue des Champions et de la CONCACAF, elle est là pour ça, en fait. Elle est là justement pour voir, de la même manière que la Ligue des Champions en Europe, elle sert à voir quels sont les meilleurs clubs de quel pays. Voilà, en ce moment, il y a ça. Il y a eu une période où les Costariciens étaient bons. Hein. Je rappelle quand même que sur les 15 dernières éditions, sur les 17 dernières éditions, il y a 2 victoires costariciennes. Il n'y a eu aucune équipe de MLS, par exemple, mais il y a eu quelques finales pour la MLS. Et il y a 15 victoires mexicaines. Mais voilà, je pense que le championnat est là. Et ce qui me dérange aussi, c'est finalement les arguments en faveur. Ils ne sont souvent pas forcément valables. On m'a comparé, par exemple, on m'a dit que cette fusion était possible, que par exemple, en Angleterre, au Royaume-Uni, l'Angleterre était avec l'Écosse et le Pays de Galles, mais c'est absolument pas comparable. C'est absolument pas comparable. Ou pareil, on m'a expliqué que le Liechtenstein était dans la Ligue autrichienne. Ce n'est absolument pas comparable. Ce sont des micro-pays et qui ont une forte attache avec le géant d'à côté. Oui, même si les États-Unis font figure de géant dans la zone, en termes de population ou en termes économiques, pour la Liga, pour le championnat, c'est pas du tout la même comparaison. Oui, c'est surtout que, comme tu le disais un peu plus tôt, en première ligue en Angleterre, là, les clubs, par exemple, qui viennent du Pays de Galles, il y avait Swansea, mais en ce moment, il n'y en a aucun. Là, ce sont en division 2, je crois, avec Cardiff et Swansea. Mais c'est ça, c'est seulement, par exemple, 2-3 clubs, tandis que là, ça serait vraiment 50-50 pratiquement. Là, fait que je vois pas trop comment ça pourrait marcher. Du côté américain, certains sont en faveur, puisque aux États-Unis, plusieurs personnes écoutent plus la Liga MX que la MLS. Certains disent aussi que ça va rivaliser avec les ligues européennes, mais sérieusement, je trouve que ça détruirait un peu la culture d'un côté de la Liga MX et de l'autre de la MLS. Je crois que c'est mieux que les deux pays se rencontrent quelques fois par année avec la Ligue des champions de la CONCACAF ou la Campeones Cup, mais pas sur une base régulière. Je crois que ça... Oui, je pense que c'est ça. Si on devait se projeter, valoriser la Ligue des champions de la CONCACAF, c'est vraiment... je pense la meilleure façon de, à la fois s'ils veulent faire leur sous, qu'ils fassent leur thune avec cette ligue, mais également pour se mesurer, quoi. Je veux dire, j'imagine que, je sais pas comment trop c'est perçu, mais dès que les quarts de finale arrivent et qu'il y a 2-3 équipes de MLS, l'objectif c'est vraiment de montrer que ces clubs sont capables de rivaliser avec les clubs mexicains, et il y a déjà de l'émulation. Donc, je vois pas le problème, en fait. Si ce n'est, évidemment, juste l'envie de générer plus de sous. Et là, à ce moment-là, nos discussions n'ont presque plus d'intérêt. C'est un peu comme la Ligue des Nations. Si c'est juste pour générer de l'argent, toutes les discussions en rapport avec le football, le ballon et la culture, malheureusement, n'ont plus leur place. Mais c'est eux qui décident. Hein. Et c'est surtout, je comprends pas comment les clubs, comme on en avait parlé, du Costa Rica ou même, pourquoi pas, des Caraïbes, tu sais, la CONCACAF, si elle accepte ce genre de choses, dit vraiment ouvertement que les autres clubs, que s'ils ne sont pas américains ou mexicains, sont des clubs de seconde zone et sont pas trop importants pour la CONCACAF, tandis que c'est eux qui, par exemple, dans la Ligue des champions, créent les surprises et tout. Donc, je trouve que ça serait vraiment mal pensé pour la CONCACAF d'accepter ce genre de Super League. C'est sûr, économiquement parlant, ça peut être bon, mais on peut penser que l'annonce a été faite juste pour sonder un peu. C'est-à-dire que bon, on va balancer une petite bombe dans la presse et puis on va voir les réactions. Et c'est probablement ce qui est en train de se passer. Ils ont envie de voir
ce que les gens pensent, ce que les médias pensent. Et il s'est passé un peu la même chose avec la vidéo dans le football. D'abord, on envoie cette annonce-là et on sonde un petit peu autour de soi et on regarde les réactions avant de finalement aller plus loin, donc dans le oui ou dans le non, dans le projet qui va avoir lieu. Ouais, c'est pour je crois que c'est, cette idée de Super League là va vraiment causer beaucoup d'encre sur les papiers. Je crois qu'on n'a pas fini d'en parler et il reste quand même environ 8 ans, donc ça a le temps de progresser. C'est comme tu dis, je serais vraiment pas surpris que ça soit juste une idée lancée pour voir qu'est-ce qu'elle faisait réagir, cette idée. Mais je crois que sur Culture Soccer, là, on va prendre le temps de s'y repencher au fur et à mesure qu'il y aura des nouvelles informations sur le sujet. Toi, Diego, est-ce que tu avais un dernier mot sur cela? Je repensais à un argument. Donc, ce terme de fusion, c'est marrant parce que c'est souvent... un terme économique, en termes d'entreprise. Pour beaucoup d'entreprises, ça fonctionne. Il y a des entreprises qui fusionnent et qui deviennent beaucoup plus performantes sur le marché. On s'est jamais rendu compte qu'en sport, les fusions, c'est souvent très négatif. Si on parle juste du championnat de France, dès qu'on essaie de fusionner des clubs, tu supprimes en fait la concurrence. Ouais, Tu n'es plus performant. C'est une des raisons pour lesquelles le championnat de France est aussi en retard sur les autres championnats européens, malgré la richesse de la France, malgré la population de la France, c'est qu'on a voulu centraliser à chaque fois sur les régions. Et du coup, on a un club par ville ou un club par région. Et c'est plutôt négatif pour l'émulation, je pense, quand on compare que dans les grandes villes comme Madrid, Munich, Barcelone... Londres, évidemment, Rome, Milan, c'est justement cette concurrence qui permet de créer de la compétitivité. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui en France. Et je pense que tout ce qui est un terme de fusion en termes de sportif, ça a rarement porté ses fruits. Oui, et c'est aussi que une fois que la Liga MX et la MLS fusionnent ensemble, ça devient qui le président? Oui. Est-ce que c'est un président mexicain? Est-ce que c'est un président américain? Est-ce que ils vont faire un duo? Ça va finir que ça va être. J'ai peur que ça devienne un combat d'ego là, cette histoire de Super League. Et c'est absolument incomparable parce qu'on a. J'ai entendu que oui, de toute façon, aux États-Unis, il y a bien. La ligue de baseball qui est centralisée, la ligue de basket, la NFL, mais c'est des sports absolument pas comparables avec le football, puisque ce sont des sports principalement uniquement américains. C'est-à-dire ouais. Que la NFL, il n'y a pas la ligue des champions de football américain, il y a juste cette ligue-là. Pareil pour le baseball, et le football est bien plus mondialisé, donc c'est pas ouais. Du tout comparable. Et c'est surtout l'Amérique du Nord, c'est con quoi. Et cet argument de NFL, NBA puis MLB n'a pas trop de sens parce que c'est majoritairement accepté une équipe dans la NBA et dans la MLB qui sont à Toronto, c'est seulement des équipes américaines, donc je vois pas trop l'idée de cet argument. Bah, merci de m'avoir invité les gars. Ah, ça fait plaisir. Antoine a dû s'absenter quelques minutes, il n'est plus présent, mais en son nom et à mon... on te remercie vraiment. Merci d'avoir pu faire cette petite apparition sur Culture Soccer. Tes analyses là, nous éclaircissent à chaque fois. Merci, Diego. À la prochaine. À la prochaine. Et on se retrouve avec Kadir Raphaël pour parler de la Canadienne Première Ligue. À bientôt. Got a bitch that look like left eye. She be posted on the west side. She always say that that's the best side. So hold up, girl, I thought the best died. I got the gas, she call me Jethro. I hit her up like shorty, let's roll. I hit my plug, he on the west coast. And shit, I heard they got the best smoke. I got a
De retour sur Cultus Soccer pour la deuxième partie, on va parler de la Canadian Premier League cette fois-ci. Et qui dit Canadian Premier League dit Adi Raphaël. Comment ça va, Adi? Ça va et toi, Antoine? Ça va très bien, on est toujours avec Anthony d'ailleurs. Et on va parler ensemble. Tu as écrit un article pour Lucarne Opposée il y a quelques semaines maintenant presque sur l'introduction de la Ligue, un article très complet avec toutes les équipes présentées. Et il y a eu d'ailleurs un petit. Une petite mise à jour de l'article, enfin surtout des news de la Canadian Premier League, puisque ils ont été annoncés un sponsor niveau vêtements, non? Oui, effectivement, en fait, la Canadian Premier League a signé, enfin la Premier League canadienne a signé une entente avec Macron, non pas le président, mais la marque de vêtements italienne, qui est quand même, il y a plusieurs clubs vraiment rapidement, le club qui me vient en premier en tête, c'est l'OGC Nice, qui a déjà ses maillots avec Macron. C'est quand même c'est pas une marque comme Nike ou comme Puma ou quoi que ce soit, mais c'est quand même une marque qui est quand même en train de prendre de bons petits clubs à droite et à gauche. Et puis, c'est quand même, c'est pas comme si on se retrouvait avec une marque de vêtements qui de maillot qui est inconnu. C'est quand même quelqu'un qui est établi, qui a déjà l'expérience pour faire des maillots de soccer. Puis voilà, c'est quand même assez excitant de voir ça. On a vu, il y a même une vidéo sur le site de la Premier League canadienne qui montre comment ils sont partis pour visiter les installations de Macron et ainsi de suite. C'est assez intéressant, c'est assez excitant parce qu'ils vont avoir, ils vont aussi contacter chacun des clubs parce que ce ne sera pas chaque club qui va avoir son propre uniforme. Ils vont avoir leur propre uniforme, mais ils vont pas chacun avoir leur propre marque. C'est tous les clubs de la Canadian Premier League, de la Premier League canadienne, qui vont faire affaire avec Macron. Et Macron va contacter chacun des clubs et même des groupes de supporters, d'après certaines rumeurs, même pas des rumeurs, ils l'ont annoncé, pour à ce moment-là établir quel maillot unique ils vont avoir. Ça, c'est très bien pour l'identité d'un club d'avoir les supporters dedans. Et oui, c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas aussi, la MLS, c'est un peu la même chose. C'est Adidas qui fait tous les maillots MLS. Chaque club n'a pas donc son propre partenaire comme ça se fait en Europe. Alors, est-ce que tu peux nous dire, devant un titre, j'étais très complet, mais pourquoi l'émergence de la Canadian Premier League se fait maintenant et pas plus tôt? En fait, c'est simple. Selon l'article, comme je l'avais dit, on a essayé. Le Canada a essayé d'instaurer une ligue propre à elle à plusieurs reprises. La dernière tentative, c'est mal terminé en 92 avec la plupart, la ligue qui a presque fait faillite. Même, elle a fait faillite. Ça s'est pas vraiment bien passé. Donc, dans le fil du temps, le Canada, c'était toujours compliqué avec... On s'entend qu'avec la météo ici qui n'est pas très clémente, je pense que ça n'aidait pas. Plus l'émergence, bah c'est sûr, le sport numéro un, ça reste le hockey. Donc, ça a toujours été assez difficile. Étant plus proche des États-Unis, même dans le temps, ça ne marchait pas trop parce que bon, les États-Unis, c'était plus basketball, baseball, ainsi de suite. Donc, bref, les nombres de fois où le Canada a essayé de lancer une ligue canadienne de soccer, à chaque fois, ça tombait à l'eau. À chaque fois, même si ça commençait à bien marcher, ça retombait assez rapidement. Donc, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais c'est parce qu'ils ont essayé et ils n'ont pas réussi. Après, maintenant, pourquoi maintenant? Parce que je pense que la MLS a beaucoup aidé. La popularité que la MLS apporte, on entend parler de la MLS un peu partout maintenant. Le niveau de la ligue monte de plus en plus. Puis je pense que le Canada en a profité un peu pour se dire « Ah, ben, vous, la MLS, aux États-Unis, vous avez commencé à être populaire. Ben, on va essayer de surfer, comme on dit en bon québécois, sur cette vague-là. » Et à ce moment-là, lancer notre propre ligue. Puis je pense qu'ils se prennent pas trop tôt, mais pas trop tard non plus. Je pense que c'est vraiment le bon moment maintenant pour lancer une nouvelle ligue. Oui, et avec l'entité qui a les droits de la Canadian Premier League, CSB a aussi ceux des droits TV de la Voyager Cup
Que peut-on attendre de ce côté-là, à ton avis? Est-ce que c'est plus d'intérêt dans la compétition des affrontements où les clubs MLS ont autant de matchs que ceux de la 15e Première Ligue? Ben, en fait, en premier, il ne faut pas oublier que la CSB a aussi les droits sur les équipes nationales, donc hommes et femmes, ce qui est quand même pas négligeable du tout, parce que c'est quand même, ben, surtout l'équipe nationale féminine, c'est quand même une des meilleures dans le monde. Donc, déjà, le fait que directement la CSB puisse englober tout ça et même aussi profiter l'aura de l'équipe nationale féminine, c'est quand même assez important. Puis l'équipe nationale masculine qui est encore. Qui a de très très bons jeunes joueurs. En tout cas, c'est toujours intéressant de voir tout ça. C'est sûr que la CSB, qui est la Canadian Soccer Business en anglais, donc en fait, c'est vraiment une entité plus affaires. Ce qu'ils vont faire, en fait, c'est que déjà en premier, ils sont composés de chefs de file assez accomplis en matière de partenariat sportif. On a déjà Scott Mitchell, qui fait partie des Tiger Cats de Hamilton, donc en football américain, football canadien. On ne me corrige pas de nouveau. Football canadien, qui est en fait une version un peu différente du football américain, bon, avec le ballon ovale. Bon, Scott Mitchell, donc comme j'ai dit, il fait partie des Tiger Cats de Hamilton, et en plus, il est un des fondateurs de la Première Ligue canadienne. C'est un des premiers qui a vraiment poussé pour que la Première Ligue canadienne arrive. Il a vraiment beaucoup d'expérience avec les Tiger Cats, donc au point de vue sportif. Il y a Ian Charlton, qui lui aussi a beaucoup d'expérience. Il est passé par TSN, par Bell, par NASCAR, par la NBA, par la WWE, par Disney. En tout cas, beaucoup d'expérience en partenaire sportif, mais non seulement avec Disney, en plus avec ce côté un peu international, un peu fantastique, un peu donc capable de ramener beaucoup sur la table. Et enfin, Dave Keighley, qui lui a été plus côté soccer, donc avec les Whitecaps. Il a travaillé pour les Whitecaps. Tout en ayant aussi d'autres expériences avec Iron Man et les Argonauts. En tout cas, ces personnes-là sont les trois piliers de la Canadian Soccer Business. Puis ce qu'ils vont faire, c'est pouvoir ramener, ouvrir leur cahier de contact et pouvoir ramener tellement de personnes avec qui ils ont déjà parlé à embarquer dans le projet CanPL, donc le projet de la Première Ligue canadienne. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Pour ce qui est de la Voyageurs Cup, c'est quand même très intéressant. Il n'y a rien d'officiel encore parce que la ligue n'a même pas commencé. C'est en avril. On est tous un peu hâte à voir ce qui va se passer. Mais je pense que le but ultime de la CANPL dans les prochaines années, dans les années futures, pas tout de suite, mais ce serait de rivaliser avec la MLS. Donc, je pense que le fait que ce soit ça va faire en sorte que les clubs pro de la Première Ligue canadienne vont amorcer leur Voyageurs Cup en même temps que ceux de la MLS. Et non pas, on va voir, pour ceux qui ne le savent pas, la Voyageurs Cup, maintenant, comment elle est faite. Le premier tour, c'est les deux équipes semi-pro qui jouent l'un contre l'autre. Le deuxième tour, le gagnant des deux équipes semi-pro joue contre le club de USL, qui est le Fury d'Ottawa. Au troisième tour, ce gagnant-là joue contre le meilleur classé des trois équipes MLS, tandis que les deux autres équipes MLS jouent l'un contre l'autre pour arriver en finale. C'est un tout petit championnat, c'est comme ça que c'est fait maintenant. Je pense que la Première Ligue canadienne va arriver en même temps que les clubs de la MLS parce qu'ils ne veulent pas avoir, en tout cas c'est ce que je pense, ils ne veulent pas avoir ce sentiment d'infériorité envers cette ligue-là, dans le but plus tard de même rivaliser et de battre ces Ouais. équipes-là. Oui, je Oui, serais. pardon, Je serais même pas surpris de voir que les clubs de la CPL arrivent après celui de la USL, là, Ottawa, juste parce qu'on sait que la Canadian Premier League voulait vraiment avoir Ottawa dans ses rangs. Et donc, je serais même pas surpris que la fédération fasse entrer dans le tournoi Ottawa avant les clubs de la CPL. ouais, c'est sûr que c'était un peu une claque, je pense, une bonne gifle pour la Première Ligue canadienne que Ottawa décide de ne pas les rejoindre. Bon, ils n'en ont pas fait un gros problème, c'est sûr, point de vue marketing, mais je suis sûr que c'était une bonne gifle parce qu'ils ont vraiment, David Klanachen, qui est le président de la Première Ligue canadienne, a dit plusieurs fois comme quoi ils ont fait des concessions énormes
pour le Fury, pour qu'il les rejoigne. Puis malheureusement, le Fury a refusé. Je pense même pas que la porte est ouverte pour les années futures. Je ne pense pas, en tout cas. Il y a quelque chose qui s'est brisé quelque part. Et bon, après, c'est que spéculation, mais je ne pense pas que ce sera dans le futur. Bon, on verra. On verra à ce moment-là. Là. Oui, je pense qu'ils rejoindront, enfin, pour revenir à la Voyager Cup, qui est donc l'équivalent, pour ceux qui n'ont pas suivi, à peu près de la Coupe de France au Canada. Je pense que les clubs de CanPL, à un moment, rejoindront celui de l'Ottawa en même temps. Et les clubs amateurs, peut-être un peu moins. Peut-être plus tôt. En parlant de clubs amateurs, il y a l'émergence de la Canadian Premier League. Ça met enfin, comme tu disais, une ligue professionnelle au Canada. Et donc, que vont devenir tous ces clubs de division inférieure qui sont peut-être un peu trop bons pour être juste des simples clubs amateurs? Donc ils sont semi-pro, mais en même temps pas assez forcément forts financièrement ou en termes de fans pour entrer dans la Canadian Premier League. Est-ce qu'à ton avis on pourra avoir des liens niveau formation avec ces nouvelles équipes? Ben écoute, c'est pas vraiment le but, enfin d'après ce que je lis, comme j'ai dit, il y a vraiment rien de encore définitif avec la Canadian Premier League et tout ce qui passe. Par contre, de ce que je lis et les rumeurs et les articles que je vois à droite et à gauche, la plupart des clubs de la Premier League canadienne vont avoir leur propre académie. En tout cas, on voit, il y a déjà des clubs qui ont... déjà Edmonton qui a un club, une académie propre à elle, qui est là depuis à peu près 7-8 ans, qui a formé de très bons joueurs. Même quand ils ont arrêté pendant un an d'exister en tant que club professionnel, l'académie a continué. Donc, le but de ces clubs-là, c'est plus d'avoir leur propre académie. Pour les clubs semi-pro, c'est sûr que je pense qu'il y aura, ils sont encore là. C'est quand même un monde complètement différent de jouer en semi-pro et en professionnel. Ils seront quand même là et c'est sûr qu'ils vont peut-être contribuer à envoyer de leurs meilleurs talents en Première Ligue canadienne si jamais ils n'arrivent pas à les signer en MLS, ou bien ce sera toujours... le choix du joueur de voir est-ce que je reste dans mon pays ou bien je vais à San Jose ou bien je vais à, je sais pas, au Minnesota. Donc, c'est sûr que ce sera une nouvelle option pour les joueurs. Après, je trouve aussi que faut pas oublier que la mentalité de la Premier League canadienne et de David Klanishin, c'est que le club pourrait... La ligue pourrait avoir être beaucoup plus grande avec beaucoup plus de clubs qui vont rejoindre la ligue dans les prochaines années. Donc peut-être que ces clubs semi-pro à un moment donné auront les ressources nécessaires ou feront des partenariats nécessaires pour rejoindre la ligue. Ou bien, je suis sûr qu'on en parlera plus tard, un peu plus tard dans l'émission, mais peut-être qu'ils feront partie d'une deuxième division vu que le Canada et la Première Ligue canadienne a décidé et a mentionné comme quoi il voulait avoir une promotion-relégation au Canada, donc avec une division 2 et peut-être même une division 3. Donc, est-ce que ces clubs-là feront partie de la division 2 ou de la division 3? On ne sait pas, on verra à ce moment-là, mais c'est très excitant pour tout le monde, même les clubs semi-pro sont contents parce qu'ils vont toujours avoir un palier de plus que la MLS et c'est tellement excitant pour les gens les jeunes qui arrivent, qui ont vraiment du potentiel, qui regardent leurs options, ils ont là, ok, j'ai soit la MLS, soit je vais arriver au semi-pro, donc finalement je pourrais pas jouer ça comme métier, je pourrais pas jouer au foot comme métier, je vais devoir trouver un autre travail, donc à ce moment-là, je vais laisser tomber le foot et je vais aller me lancer dans une autre carrière. Tandis que maintenant, avec ce palier-là supplémentaire qui est la Canadian Premier League, ils vont avoir la Canadian Premier League, la Première Ligue canadienne, ils vont avoir la MLS, puis après, ils auront le choix aussi de continuer en semi-pro. Donc, c'est quand même des options intéressantes, surtout pour les joueurs et pour les clubs semi-pro. Oui, je pense vraiment là, que la Canadian Premier League l'a réalisé très récemment, là, de vraiment, lorsqu'ils faisaient les essais, de vraiment voir le niveau que les jeunes avaient, des niveaux de tellement de bon potentiel qui était sans club jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment réjouissant de voir tout ça, là. Et je crois qu'avec une potentielle division 2, là, ça risque d'être encore plus intéressant. Cependant, je crois que la division 2 devrait être plus être pourquoi pas par conférence, comme le fait la USL devant des conférences fermées, parce que avec les distances qu'il y aurait, je crois qu'en frais de déplacement, ça serait pas très vivable
pour ses joueurs et économiquement parlant et vivre là-dedans aussi, là, en autobus, faire un Vancouver-Halifax, ça doit pas être très intéressant. Non, ben oui, c'est sûr que les distances, ça a toujours été un des gros problèmes que le Canada a, mais les États-Unis ont eu la même chose. Donc oui, ce serait une bonne idée de le faire en système de conférence, ben, pas vraiment fermé, mais par région, par exemple. Une division Ouais. 2 par région avec, disons, 5 clubs par région, comme ça les déplacements ne sont pas si pires. Puis à ce moment-là, disons, ces 3 conférences, il y aura 3 qui montent, le premier de chaque conférence qui monte, tandis que les 3 derniers descendent. Puis là, ils reclassent les conférences de nouveau à chaque année. Ça peut être quelque chose d'intéressant comme ça. Ouais, séparer le pays en 4 ou en 5, ça pourrait être intéressant. David Klenichan a dit en entrevue que voir des équipes canadiennes en MLS ou en USL, c'est un frein pour le développement du soccer au Canada, comme on a parlé un peu plus tôt avec les équipes MLS ou même Ottawa. Peux-tu nous expliquer pourquoi et quel est ton point de vue sur la question? Ben, c'est sûr que, bon, je suis Canadien, Québécois, et je prends le parti de M. Klanachen parce que il y a un désavantage canadien en USL et en MLS, vu que ça reste des ligues américaines. C'est normal, c'est 100% normal. Le but d'une ligue américaine, c'est de développer ses propres joueurs, de renforcer son équipe nationale et ainsi de suite. Oui, il y a le folklore d'avoir de ces équipes canadiennes. C'est un peu le folklore, un peu le côté un peu cool de la ligue, comme quoi ils sont capables d'aller au Canada et puis aller dans un autre pays. Puis il y a toujours eu une proximité entre ces deux pays-là. Mais ça reste que ces ligues-là ne travaillent pas pour le bien de Canada, de l'équipe nationale canadienne ou bien même du soccer au Canada même. Il travaille pour le soccer aux États-Unis. Donc, c'est développé sur le développement du soccer américain. Je donne le meilleur exemple qu'on peut donner maintenant, si vous suivez la MLS, c'est que, je sais que vous suivez, mais je parle des spectateurs et des auditeurs. C'est Mais quoi la MLS, non? non, mais le meilleur exemple, c'est les green cards. Donc, les cartes vertes qui, en fait, pour être en MLS, par rapport au fonctionnement de la MLS, il y a les joueurs internationaux et les joueurs domestiques. Et puis les joueurs internationaux, c'est des joueurs qui viennent un peu d'ailleurs. Par contre, dès qu'ils ont leur carte verte aux États-Unis, ils sont considérés comme étant domestiques. Donc, ils n'ont plus besoin d'utiliser un poste international. Donc, on voit maintenant aux États-Unis que les clubs aux États-Unis, ils sont capables de donner des cartes vertes au bout de 3 ou 6 mois à des joueurs étrangers. Ce qu'au Canada, on ne peut pas faire. Pour pouvoir avoir le statut de résident permanent, donc avoir ce statut de joueur domestique, il faut à ce moment-là attendre 4 ans avant de l'avoir. Donc, il y a un peu de... C'est un frein pour le Canada parce que ces joueurs-là, n'étant pas des joueurs domestiques, ils peuvent pas aller, ces joueurs canadiens, ils peuvent pas aller jouer n'importe où. Bon, il y a certaines règles qui rentrent si jamais ils sont formés dans un club de la MLS ou bien dans un club canadien de la MLS ou bien dans un club accepté par la MLS. Ces joueurs canadiens-là, oui, peuvent être considérés comme domestiques. Mais un joueur comme par exemple Patrice Bernier, qui a pris sa retraite maintenant, mais qui a joué pour l'Impact de Montréal pendant quelques années, si jamais il était parti au Galaxy de Los Angeles, il aurait été considéré comme un international et non pas comme un joueur domestique, même s'il est canadien. Donc, en tout cas, il y a ce côté un peu, oui, c'est un frein au Canada parce que ces joueurs-là, on voit tellement de joueurs, moi étant un grand fan de l'Impact de Montréal, je regarde tellement de jeunes joueurs qui ont percé les rangs de la MLS avec l'Impact de Montréal, puis à la fin, finalement, ça n'a pas trop marché avec l'Impact. Au lieu d'aller dans une autre ligue, dans un autre club, ils ne peuvent pas aller dans un autre club, ils se retrouvent à jouer en NASL ou bien à jouer en Europe. Il y a tellement de joueurs comme ça, je parle de Carl Wimette, je parle de tellement de joueurs qui avaient le potentiel de jouer en MLS, c'est juste qu'avec l'Impact, ça ne marchait plus trop. Et avec Toronto qui a sa propre académie et les Whitecaps aussi qui ont leur propre académie, qui veulent trouver de la place à leurs jeunes. En tout cas, c'est un frein, oui, effectivement, c'est un frein au développement du soccer au Canada. Oui,
Et vraiment, le meilleur cas pour décrire cela, je pense, c'est le cas Crépo. Vraiment, là, ce joueur-là a vraiment, je crois, le niveau MLS. Là, il, avec une équipe qui a fini au 9e ou 10e rang en USL, il a fini avec le plus de clean sheets. Et vraiment, là, c'est le meilleur gardien de la ligue, selon moi. Mais, puisqu'il est canadien et compte pour un international, il ne peut pas évoluer aux États-Unis parce qu'il prend une place internationale. Donc, c'est vraiment. C'est décevant pour les Canadiens, cette façon de faire. Là, j'y comprends pas trop, puisqu'il y a des équipes canadiennes en MLS, mais les Canadiens sont considérés comme des internationaux. Ouais, mais c'est ça. Mais pour Crépeau, je suis sûr que l'année prochaine, il sera en MLS. Il faudrait voir aussi son statut. Est-ce qu'il est considéré comme un jeune formé, un homegrown, donc un jeune formé par l'impact? Si jamais il est considéré comme homegrown, à ce moment-là, il ne prend pas de place internationale. Donc, il faut vérifier ça. Je n'ai pas vraiment les données. C'est pour ça que je n'en ai pas trop parlé. Car Wimet, par exemple, dans ce cas-là, je sais que non, il est considéré comme international. Bon, donc, il faudrait vérifier ça pour Crépeau. Mais ça ne m'étonnerait pas que tu as raison, Anthony, qu'effectivement, il prend un spot international. Ouais, juste pour préciser, il prend un spot international quand il joue dans un club américain. Il ne faut pas croire que Montréal ne peut pas jouer les Canadiens. C'est cool. Ouais, c'est sûr. C'est pas juste toute la MLS. Tu disais qu'il y avait pas mal de. Donc en fait, la CAN Premier League se définit un peu comme une ligue de formation, je pense. C'est quand même, surtout les premières années, ça va vraiment être pour développer les jeunes Canadiens. Mais pourquoi dans ce cas, ils ont refusé les élections de réserve de l'Impact Montréal ou des Whitecaps, Toronto? Il n'y a pas eu de rumeur officielle, mais pas d'annonce officielle, mais il semblerait que certains clubs MLS voulaient avoir une réserve en Canadian Premier League. Donc pourquoi d'un côté se faire l'étendard de la formation canadienne, mais de l'autre côté aussi aller un peu contre ça et essayer de faire en sorte que les jeunes restent chez eux et pas dans peut-être des clubs de meilleur niveau? Bah, écoute, comme je l'ai dit auparavant, il y a le but de la Premier League canadienne, c'est effectivement de rivaliser avec la MLS. Donc, comment ils vont rivaliser avec la MLS s'ils se retrouvent avec la réserve de ces clubs? Il n'y a aucun moyen que ça arrive. Il y a un côté un peu orgueilleux de cette chose-là. Il ne faut pas oublier aussi qu'entre le Canada et les États-Unis, oui, c'est des clubs, c'est des pays amis en général. Sauf qu'en termes de sport, il y a toujours une rivalité entre ces deux pays-là. Donc, quand une équipe canadienne, quel que soit le sport, bat une équipe américaine, il y a une certaine fierté additionnelle et vice-versa. Beaucoup plus du côté canadien que du côté américain. Mais bon. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'en termes de soccer, il y a une rivalité naissante entre les deux pays, surtout avec le soccer féminin, entre l'équipe nationale féminine et l'équipe nationale féminine des États-Unis et l'équipe nationale féminine du Canada. Il y a une grosse rivalité entre ces deux équipes nationales. On le voit même, je sais pas, pour ceux qui jouent à FIFA 2019, si vous jouez à la Journey, à un moment donné, on joue avec la fille Kim Hunter, la sœur d'Alex Hunter. Moi, j'adore ça. Et à ce moment-là, ils sont là en équipe nationale américaine, parce que on joue avec Kim Hunter. Puis le discours de la coach de l'équipe nationale américaine, elle dit: on veut battre le Canada, on joue contre le Canada. Ils nous ont pas battus depuis 2001. C'est nos rivaux. Ils accentuent le discours de cet entraîneur, de cette personne-là, sur la rivalité entre les deux. Donc, elle est là, cette rivalité. Pourquoi venir et donner « Ah, vous savez quoi? Vos petits jeunes que vous ne faites pas jouer, amenez-les chez nous, ils ne l'ont pas bien pris. » Donc, ouais. Je pense que c'est la raison pourquoi il y a plus un côté orgueilleux de plus aussi. Après, comme j'ai dit, le but à la fin, le but final, c'est de rivaliser avec la MLS et non pas de les aider à devenir meilleurs. Oui, je crois que aussi il y a un point de vue de marketing là-dedans. Là, je crois que tu peux pas te proclamer, par exemple, la meilleure ligue du Canada et avoir des réserves dans ta ligue. Je crois, par exemple, la USL qui sera désormais nommée USL Championship. Je crois qu'elle a bien vu qu'avoir des réserves
dans cette ligue, c'est d'un point de vue marketing, c'est dur de te proclamer une des meilleures division 2 du monde. Donc c'est pour ça qu'ils essayent de plus en plus de mettre les réserves dans la D3, la USL League One. Je trouve que je suis un peu de cet avis, puisque par exemple, il y a des excellents clubs en USL, par exemple, il y avait le FC Cincinnati, par exemple, aussi les Pittsburgh Riverhounds à l'ouest, et pas à l'ouest, à l'est. Et je crois que ça leur c'est jamais plaisant d'affronter des réserves, là, que ça fait un peu moins huppé. Et je crois vraiment que c'est ça que la Canadian Premier League voulait pas devenir une ligue de réserve, puisque c'est dur de faire son marketing de donner la meilleure ligue du Canada quand tu as des réserves dans tes rangs. Mais c'est vrai, mais en même temps, il y a aussi. Ils auraient pu faire des clubs affiliés, tu vois, comme en USL, ouais. Les Spoke Park Rangers qui marchent super bien, qui sont affiliés avec Kansas, il me semble. Ouais. Et d'autres, ouais. Donc, ils auraient pu faire ça, mais je comprends le point de vue d'Adi, et c'est vrai que ça peut être un peu dévaluant pour la Canadian Premier League d'accepter des clubs affiliés à la MLS. Mais ça aurait pu être pas forcément mauvais, je trouve, pour les premières années. Peut-être d'avoir, ça rajoute trois équipes, imaginons, ou deux, s'il y en a un qui ne veut pas y venir, ben ça rajoute trois équipes. Ça fait venir plus de gens, plus de jeunes joueurs peut-être talentueux. Quand on sait, même pour un club MLS, c'est quand même très utile une réserve USA, mais une réserve canadienne, ce serait pas plus mal non plus. Mais je comprends le point de vue assez nationalistique, mais en vrai, je le comprends, et il est vrai que ça fait tâche sur la Canadian Premier League d'accepter les équipes réserves. Oui, et c'est pas pour rien que dans les sept premières équipes, il y en a deux qui sont tout près des équipes MLS. Ils voulaient être sûrs de ne pas avoir de réserves. Il y a le Pacific FC dans le coin de Vancouver, et le York 9 dans le coin de Toronto. Donc, la Canadian Premier League voulait vraiment pas de réserves. Et d'ailleurs, là, on parlait des réserves. Adi, est-ce que ce manque de relation entre la Canadian Premier League et la USL / MLS va signifier que les échanges de joueurs entre les deux, entre les ligues, là, vont être plus compliqués dans le futur? Ben écoute, il faut comprendre aussi le mode de fonctionnement de ces deux ligues-là. Il y a deux modes complètement différents. La Première Ligue canadienne, les clubs vont être... Ce n'est pas... OK. Pour la MLS, déjà, c'est les joueurs appartiennent à la ligue. Tandis que pour la Première Ligue canadienne, les joueurs appartiennent au club. Donc, c'est chaque club qui va discuter avec un autre club pour signer un joueur. Et non pas comme la MLS où c'est la ligue qui discute par l'entremise d'un club ou ainsi de suite, mais c'est la ligue qui est l'employeur de ces joueurs-là. Donc, il y a un peu ce côté-là. Après, je pense que moi, les échanges de joueurs entre les ligues, est-ce qu'ils vont être compliqués? Je pense pas. Je pense pas que c'est qu'ils vont être facilités ou simplifiés, mais je pense pas que ça va être compliqué. Je pense que ce seront des transferts ou des prêts comme une autre ligue, comme s'ils discutaient avec un club de national en France ou de Ligue 2 en France ou même de Ligue 1 ou de n'importe quel pays dans le monde. Je pense pas que ce sera plus compliqué que ça. Après, c'est sûr que la proximité, le fait que Canadiens, Américains, on se connaît un peu, il y a plus de contacts, il y a à peu près les mêmes personnes dans le monde des affaires qui se connaissent avec les mêmes contacts à droite et à gauche. Donc peut-être que même ce sera plus facilité de par les expériences humaines de ces personnes-là qui discutent de transfert ou de prêt. Mais est-ce que ça sera plus compliqué que ça? Je pense pas. Alors, on n'est pas en train de parler d'une ligue qui discute avec une autre. On est en train de parler d'un club qui discute avec la ligue. Donc, c'est pas ça. C'est en tant que ligue, la Première Ligue canadienne, oui, ne veut pas faciliter l'intégration d'équipes réserves ou bien ne veut pas être la ligue remplaçante ou bien la ligue de réserve de la MLS. En tant que point de vue que d'un club, quand ils veulent un joueur, ils vont aller le chercher où qu'il joue. Donc, je ne pense pas qu'il y aura plus de difficultés ou de facilités qu'avec d'autres ligues ou d'autres clubs. Ça semble une bonne raison. On va passer à un point plus culturel maintenant. On a vu que sur les 7 clubs, eh ben, il y en a 7 qui sont nommés Football Club, Pacific FC, York FC. Bon, là, ils sont tous Football Club dans un pays de soccer.
Et ceci dit, ça suit un petit peu ce qu'on a vu en MLS récemment. Toutes les nouvelles expansions, ou presque, ont des noms génériques à l'européenne, comme LAFC, on a le Atlanta United, Minnesota United. Et c'est quelque chose qui est un peu dommage, je trouve, qui perd un peu la culture nord-américaine du sport. Et est-ce que tu penses que il y aura une différence ? Est-ce que tu penses que ça va être différent ou ça prend une culture anglaise ? Ben écoute, c'est sûr que déjà le format de la ligue est plus européen que nord-américain, avec un championnat sans playoffs, donc sans série éliminatoire, ou avec le nombre de points qui va finir, celui qui finit avec le plus de points va gagner le championnat, contrairement à MLS où après il y a tout le côté un peu folklorique nord-américain où il y a des playoffs, ce qui est très bon. Pour moi, les deux sont très bons. C'est juste deux mentalités différentes. Donc déjà, oui, il y a le format qui est différent. Plus en plus, la possibilité future de faire la promotion ou relégation. Donc déjà, le Canada se rapproche plus d'un modèle européen qu'un modèle américain. Par contre, ils sont plus nord-américains, pardon. Par contre, ils n'oublient pas le fait que c'est un pays nord-américain. Donc, il y a quand même une connotation nord-américaine avec dans certains clubs. Donc, tu me parles du côté football club, mais on oublie le côté avant football club. Donc, regarde, par exemple, c'est Forge Football Club. On n'est pas en train d'appeler Hamilton Football Club. On l'a appelé Forge. Donc, il y a un côté aussi un peu de naming qui est là. Pour Calgary, au lieu que ce soit Calgary FC, c'est Cavalry FC, donc pour la cavalerie. Donc, il y a un peu encore ce côté. C'est pas comme si on se retrouverait avec des noms trop génériques non plus. On a les Wanderers aussi à Halifax. Donc, au lieu que ce soit Halifax, ça reste des Wanderers. C'est dans le nom officiel et non pas c'est le nom des joueurs, comme par exemple Arsenal, on les appelle les Gunners. Mm. Non. C'est vraiment le nom officiel, ça s'appelle HFX Wanderers, ça s'appelle Cavalry FC, ça s'appelle Forge FC. Donc, il y a encore cette petite connotation nord-américaine qui est là. Pour moi, la CANPL, c'est le juste milieu entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Ça reste que, ils ont pris un peu des deux, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça se voit que je suis très excité par rapport à cette ligue-là. Mais je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est intéressant. C'est quelque chose de nouveau. On prend des petits trucs à droite, des petits trucs à gauche et on va voir ce que ça donne. Oui, et récemment, là, on a pu lire dans divers articles que la Canadian Premier League avait comme projet de mettre une règle qu'il y ait au moins 50% de Canadiens sur le terrain. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette règle et est-ce que c'est vraiment une règle écrite ou juste un projet? En fait, c'est plus qu'un projet parce que et je dirais pas que c'est une règle écrite, je vais dire que c'est une règle orale parce que le 10 septembre, en fait, c'est écrit mais oralement, si tu veux, je vais m'expliquer. Le 10 septembre, sur le site de la Première Ligue canadienne, le président, donc David Klanachen, a dit, noir sur blanc, il l'a dit au journaliste qui s'appelle Bedakian, il lui a dit comme quoi les propriétaires ont accepté d'avoir 50% de Canadiens au sein de l'effectif avec 50% de Canadiens titulaires à chaque match. Donc, c'est bien écrit. Ça, c'est pas encore une règle. Donc on peut pas rentrer dans les règles de la ligue parce que les règles par rapport à la confection d'un effectif ne sont pas encore sorties. Ça devrait sortir. J'ai lu un article aujourd'hui, ce matin, qui dit que on devrait en savoir plus dans les prochaines 2 à 3 semaines. Donc, je pense qu'ils attendent la fin des essais avant d'y arriver. On va en parler un peu plus tard. Oui, effectivement, c'est presque une règle écrite, comme quoi, oui, le but, c'est de développer le soccer au Canada. Un des motos de la Ligue, c'est par les Canadiens, pour les Canadiens, donc une Ligue faite par les Canadiens, pour les Canadiens. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez excitant pour le soccer au Canada. Pour ce qui est des effectifs, juste pour mentionner un peu, il y a eu plusieurs rumeurs, plusieurs articles qui ont été faits avec plusieurs choses qui ont filtré à droite et à gauche. De ce que j'ai pu prendre, il va y avoir cinq différentes entités ou bien cinq différents pools de joueurs desquels les clubs vont pouvoir recruter. Donc, il y aura les
Le premier, ce serait plus côté fondation, donc avec les top joueurs canadiens qui jouent déjà pro. Je pense à des joueurs qui jouent en Europe comme Atiba Hutchinson qui joue en Turquie, ou bien je pense à des joueurs comme comme Borjan qui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade, le gardien de l'équipe nationale. En tout cas, il y a plein de jeunes. Ça, ce serait un des premiers pools. Le deuxième, ce serait des jeunes avec potentiel jouant que ce soit en Europe ou en semi-pro. Quand je pense en Europe, je pense à par exemple Samuel Piette qui est venu à Montréal à l'âge de 21 ans. Il aurait pu venir dans un club de première ligue canadienne à 19 ans avec ce genre de potentiel au lieu d'aller se perdre en troisième et quatrième division allemande ou française ou quoi que ce soit. Il peut venir ici. Ou bien des jeunes qui jouent en semi-pro, donc à 17-18 ans, quelqu'un qui joue à Blainville ou qui joue aux Blue Stars en Ontario va pouvoir à ce moment-là directement être signé par la CANPL et jouer en pro directement au lieu de jouer en semi-pro. Le troisième pool, ce sera plus des joueurs régionaux. On parlait de Borjan, mais Borjan, si vous savez, il est né à Hamilton. Donc, le fait qu'il soit né à Hamilton, il a quand même une certaine affinité et il a une facilité de créer par la Ligue pour signer par le club de sa région, donc qui est le Forge FC. Donc, il y aura cette pool-là où ce sera des joueurs plus par région, au côté où t'es de Toronto, tu vas signer pour York 9 et ainsi de suite. Il y aura aussi un autre pool qui sera au côté universitaire. Il n'y a rien de défini encore, c'est encore très spéculatif parce qu'il n'y a pas encore d'entente entre le soccer universitaire et la première ligue canadienne. Mais ils travaillent sur ça pour que les joueurs formés dans les universités canadiennes puissent venir directement en CANPL au lieu de passer par le volet semi-pro ou de passer par des essais, ainsi de suite. Donc, il y a une sorte de draft universitaire. Et enfin, le dernier pool, ce serait le marché de transfert comme tout le monde, comme tous les clubs dans le monde. Donc, ce sera vraiment les cinq pools desquels les clubs vont pouvoir piger à droite et à gauche. OK. Et le premier pool, celui des pros assez bons canadiens, est-ce que la Ligue aura déjà négocié avec eux un certain contrat ou vraiment là, ça va être au club de Canadian Premier League de une fois avoir drafté le joueur, ils ne sont pas encore sûrs de pouvoir le signer et c'est eux qu'il faut qu'ils fassent les approches. Est-ce que tu en sais un peu plus de ce côté ou… Ben, écoute, de ce que j'ai compris, comme j'ai dit, il n'y a rien de définitif, mais si je lis à droite et à gauche, ce que je comprends, c'est que la Ligue, grâce à ses contacts, va pouvoir aider un club à faire signer un joueur. Donc, c'est comme si… Parce que finalement, comme j'ai dit, c'est chaque club qui signe ses propres joueurs. Donc, okay. La Ligue va juste offrir un support, offrir ses parce que c'est dans leur intérêt d'avoir ces grands joueurs-là venir jouer en Première Ligue canadienne pour la visibilité, pour le marketing et ainsi de suite. Donc, ils vont aider ces joueurs, ces clubs-là, mais le club reste propriétaire, c'est à lui de faire ses propres achats. Donc, il n'y a pas ce côté MLS où c'est la Ligue qui décide de tout. Non, c'est le club qui va décider de tout. C'est premier arrivé, premier servi, celui qui travaille le mieux, qui a le meilleur réseau de recrutement, qui a le meilleur contact, qui va pouvoir avoir ces joueurs-là. Après, comme j'ai dit, il n'y a aucune rumeur qui est sortie encore sur des joueurs qui rejoignent telle ou telle équipe. Ils attendent la fin des essais. Il y a maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des essais un peu partout à travers le pays pour des joueurs qui sont sans club. Donc, il n'y a aucune attache. C'est très important de le préciser. Donc, si moi, par exemple, j'étais plus jeune, c'est le cas, mais si j'étais plus jeune et que j'étais bon en soccer, ce qui n'est pas spécialement le cas non plus, j'aurais pu aller dans un de ces essais-là. Ouais, c'est ça, des tryouts, donc des essais. J'aurais pu aller payer 200$, puis me faire voir en tant que joueur, puis me prouver à un club pour pouvoir avoir peut-être une invitation à un camp de pré-saison. De ce que j'ai lu aussi dernièrement, il y a à peu près, d'après M. Clanahan, il y a à peu près 20 à 30 joueurs qui sont presque sûrs de recevoir une invitation à pré-saison, des joueurs dont personne n'avait entendu parler avant. Donc, c'est quand même intéressant de voir comme quoi ils font tout pour trouver le talent. Tout. Oui, parce que ça fait, s'il y en a déjà une trentaine, ça fait
minimum environ 4 joueurs par équipe, ce qui fait vraiment là, ça veut vraiment dire que ces joueurs-là seront minimum sur le banc de leur équipe au final. Donc c'est là qu'on voit vraiment que des joueurs sans club qui avaient un vraiment bon potentiel vont se retrouver sur un banc d'une équipe professionnelle de division 1. Donc niveau expérience, ça risque d'être exceptionnel car les joueurs vont grandir en même temps que leur équipe. C'est assez fou. C'est ça, exactement. C'est magnifique, mais n'oublie pas aussi que, comme j'ai dit, ils seront appelés en camp de pré-saison. Ça ne veut pas dire qu'ils signeront aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, ça donnera la chance de se prouver dans un environnement professionnel, déjà qui est quand même une chance incroyable pour des joueurs ou de jeunes joueurs qui n'auraient jamais cru ça avant, il y a 5 ans, il y a 2-3 ans. Même pas 5 ans, il y a 2-3 ans. Ils n'auraient jamais cru qu'ils y arriveraient au Canada. Donc, c'est vraiment beau. Oui. étant canadien, là, tout comme toi, là, j'ai vraiment hâte au printemps prochain de même d'ici un mois de voir les premiers balbutiements de cette ligue avec les effectifs et tout. Je crois qu'on pourra vraiment être une fois les effectifs conclus, on va pouvoir être pouvoir juger du niveau de cette ligue, parce qu'en ce moment, même si on se dit est-ce que la ligue ressemblera plus à une PDL, à une USL, c'est impossible de pouvoir le dire sans avoir les effectifs sous les yeux. Donc vraiment, ça reste à définir, mais c'est vraiment intéressant et merci Adi pour ton temps à l'émission. On en a appris beaucoup et j'espère que les auditeurs également, là, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Puis c'est quand vous voulez. Moi aussi, je suis très excité pour la première ligue canadienne. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va venir. En tout cas, c'est que bénéfique pour le Canada et pour le soccer au Canada. Et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui, moi aussi. Et désormais, Adil, on pourrait même dire que tu es un fidèle de l'émission. Hein. Tu es là quand même assez souvent. Pour cette saison 2, on sent qu'on tu es un de nos favoris. Ah ben parfait, ben écoute, ça me fait plaisir. Moi, j'ai tellement de fun à venir ici et discuter avec vous, en parler. J'apprends beaucoup aussi, puis j'essaie de donner ce que je sais aussi à tous les auditeurs. Mais ça me fait plaisir de parler avec vous et de discuter sur Culture Soccer. Quand vous voulez, je suis dispo, juste faites-moi signe. Et oui, on rappelle juste un blog qui s'appelle MLS en folie, pour ceux qui voilà, ne savent pas, ils peuvent te suivre là-dessus. Exactement, mlsenfolie.com, c'est mon blog qui parle juste de la MLS. Il y a à peu près 2 articles par semaine. J'écris dessus, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou bien @mlsenfolie ou bien... vérifier mon site et lire mes articles de temps en temps, me donner des nouvelles, c'est toujours apprécié d'avoir un peu de feedback. Oui, donc merci beaucoup Adi et on se retrouve pour le moment. Il était une fois en Amérique. Merci. Merci. Merci encore à Adi pour son temps, c'est très sympathique de le recevoir une fois de plus dans l'émission. Et maintenant, c'est le moment tant attendu, Il était une fois en Amérique, où nous parlons d'une chose qui nous a choqué ou interpellé pendant la semaine, ou pendant les 3 dernières semaines, parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a plus de podcast. Anthony, je te laisse commencer. Oui, en fait, moi, là, c'est vraiment le rebranding de la USL. On le savait, la USL... La première division de la USL, en fait, la deuxième division s'appelait la USL, la prochaine division 3 s'appelait la USL Détroit et la Ligue Plus de Développement s'appelait la PDL. Et désormais, ce temps est révolu. La USL devient quelque peu plus British puisque la division 2, la première ligue de la USL s'appellera désormais la Championship. La division 3 s'appellera désormais la Ligue 1. Et la PDL s'appellera désormais la Ligue 2. Donc, ça fait vraiment référence au championnat anglais. Et ça laisse présager, pourquoi pas, une possible
promotion, relégation lorsque la Détroit sera à sa maturité. Donc vraiment, je trouve ça vraiment intéressant. Certains sont plus ou moins d'accord, mais moi, je pense que ça rend les choses pour les Européens, par exemple, les Anglais, ça rend les choses un peu plus, comment je pourrais dire, ça comprenable. Et peut-être qu'à niveau international, ça va être plus vendeur. En tout cas, moi, de mon côté, je ne suis pas en désaccord avec ça. Je trouve que ça fait que ça va bien vendre. Et surtout, là, je trouve que les designs sont assez beaux. Je ne sais pas toi, Antoine, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as vu sur le sujet? Je trouve que c'est très bien. Comme tu as dit, oui, en plus, ça permet de parler. Ils en ont parlé en fait sur Twitter, la Ligue, sur un tweet a dit que il y a dans le futur, pas tout de suite, mais une possibilité de promotion en relégation. Et je pense que c'est pas mal parce qu'en USL, il y avait quand même de gros géants. Sacramento, Cincinnati, bon, qui montent en MLS, mais Tampa Bay ou Phoenix, qui étaient vraiment un peu trop gros pour d'autres équipes. Et donc, eux vont vraiment se concentrer sur la USL. Et après, je pense que déjà, les réserves, il y en a pas mal qui ont passé en Détroit. On a entendu, enfin, donc en Ligue 1, du coup, on a entendu que Toronto, la réserve, allait le faire. Et c'est une réserve très mauvaise, vraiment peu compétitive. Et je pense qu'à long terme, la plupart vont passer en Ligue 1. Et on avait aussi appris que certains petits clubs de USL, par exemple le Penn FC, qui est vraiment dans un petit marché, donc pas très sexy, et bien, il va passer en Ligue 1. Et je pense que c'est pas plus mal. Enfin, il va s'arrêter un an puis passer en Ligue 1. Donc c'est pas plus mal. Ça va un peu rééquilibrer tout ça. Comme tu vas dire, ça va être un peu de clarté dans le système américain. Et puis surtout, en fait, ça permet de faire de l'USL la vraie D2. On en parle souvent sur ce show. Il y a plusieurs tentatives de faire d'autres divisions 2, comme l'ancienne NASL, où on a aussi les clubs semi-pro comme Détroit, Miami FC, New York Cosmos, qui étaient certains dans l'autre NASL, qui ont voulu un peu créer une nouvelle division. Bah, ça va être encore plus compliqué maintenant que la USL est vraiment implantée avec aussi ses deux petites sœurs. Donc, ça va être très intéressant à voir. J'ai hâte de voir comment ça évolue, de voir ce que deviennent aussi les clubs comme, donc je disais, Cosmos, Miami FC. Est-ce que ils vont se dire qu'en fait, ça va être très compliqué maintenant de créer leur propre ligue, ou est-ce qu'ils vont essayer de rejoindre du coup cette USL là, ou Ligue 1, Ligue 2? On va voir. Par contre, je ne suis pas fan du nom. Je t'avoue que déjà en Angleterre, je trouve que ça n'a pas trop de sens de faire Ligue 1, Ligue 2 pour la troisième et quatrième division, pas dimension. Mais donc, je ne suis pas hyper fan du nom, mais je trouve que le rebranding en général est une bonne idée. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que ça peut être mélangeant, là, que finalement la Ligue 1, c'est la division 3 et tout. Moi, en gros, je trouve que c'est une bonne idée. Vraiment, ça apporte un cachet peut-être plus international en faisant référence au championnat anglais et tout. Donc, oui, c'était ça. Moi, il était une fois en Amérique. Toi, de ton côté, qui l'est-il? Alors, on va parler de peut-être la plus grosse surprise de l'année qui est venue vraiment la veille de ce podcast. On va parler du mouvement Save the Crew. On en avait parlé dans le dernier podcast, ou alors peut-être celui d'il y a, celui avant peut-être. On avait parlé de la relocalisation en MLS qui allait arriver, puisque le Columbus Crew allait déménager à Austin. Et c'était un peu la deuxième fois seulement qu'il y avait une relocalisation à MLS, et la première fois qui a été faite aussi violemment, parce qu'on ne va pas se mentir, les dirigeants de Columbus sont partis à Austin sans même vraiment vouloir essayer de sauver le Columbus Crew. Cette année, le stade de Columbus était complètement pas détruit, mais voilà, pas bien géré, parce que tout le monde était parti à Austin. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Cette année a été très compliquée et on ne pensait pas, mais le mouvement Save the Crew, qui était un mouvement qui a commencé sur Twitter et qui a rassemblé plusieurs fans de Columbus, a réussi apparemment à trouver un nouveau opérateur qui pourrait acheter la franchise. Et le mouvement Save the Crew est devenu le mouvement Saved the Crew, donc on a sauvé le crew. Ce serait le propriétaire des Cleveland Browns, qui s'appelle les parents sont deux frères, Dee et Jimmy Haslam, qui auraient apparemment réussi à reprendre le Columbus Crew. Et donc c'est une bonne nouvelle parce que ça fait une équipe qui reste, une équipe qui était en MLS depuis le début et qui surtout avait le premier stade spécifique de soccer. Donc c'est vraiment quelque chose de très poétique et de très historique. Et surtout c'est quelque chose qui est incroyable parce que la MLS c'est vraiment une ligue qui est vraiment axée business. Et donc à voir
Le Columbus qui reste grâce à la volonté des fans, bien sûr, grâce aux investisseurs, mais surtout les fans qui ont fait, ça fait un an qu'ils militent sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très très beau. Je ne sais pas ce qu'on en trouve, mais je pense que c'est vraiment un point déterminant dans la ligue et que les futures relocalisations, s'il y en a, vont se faire très timidement. Oui, c'est vraiment inspirant de voir que les supporters, au final, c'est eux qui peuvent garder leur équipe dans leur ville. Là. C'est vraiment le mouvement Save the Crew qui a sauvé le crew. Et je suis sans mots, c'est surtout la façon dont ça a été annoncé. J'étais en cours et en à peine 5 petites minutes, là, la putosphère s'est enflammée. Là. On va pas se mentir, on n'y croyait pas trop parce que c'était vraiment non. Le business contre les pauvres supporters du crew. Et en plus, le crew, bah, on va pas se mentir, ils ont une audience quand même assez mauvaise malgré que les fans étaient très hardcore sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas grand monde au stade. Et même si les résultats sont là, on n'y croyait pas trop. Et franchement, c'est une belle surprise. Après, ça pose un problème. Le fait que malgré ça, Austin aura quand même une franchise à partir de 2021, en théorie, et qui sera donc géré par l'ancien propriétaire du Columbus Crew. Déjà, ça veut dire que ce propriétaire qui n'a vraiment pas bien traité les fans reste dans la MLS, mais surtout, ça veut dire que ça bloque une expansion en plus. Donc, les places en MLS se font de plus en plus chères. On pense à Sacramento, Phoenix, qui essayent de rentrer dans la ligue. Et ben, eux, on aurait dû payer 150 millions. Lui, il le fait un petit peu comme ça. Je sais pas, je pense pas qu'il va devoir payer de prix d'expansion. Et donc, ça bloque une place d'expansion, ce qui est un peu dommage pour la Ligue, surtout qu'avoir 3 équipes au Texas, bon, on en a déjà parlé, c'est un peu stupide pour remplir la carte des États-Unis un petit peu, c'est pas très malin, mais voilà, donc la Ligue se retrouve avec une franchise en plus, alors qu'elle voulait en fait que juste le petit marché de Columbus ait place vers Austin. Oui, c'est vrai Antoine, le mouvement Save the Crew, je suis vraiment sans mots, c'est là qu'on voit que les partisans ont pu avoir le dessus sur la bureaucratie de la Ligue et tout. Donc, c'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. Encore une fois, merci à Adi Raphaël et à Diego de nous avoir donné du temps. Et nous vous invitons fortement à aller les suivre sur le Twitter et de lire leur article, soit sur le camp opposé ou directement pour Adi sur son blog. On vous le rappelle, les magazines Les Cartes Opposées sont toujours disponibles et sont toujours aussi merveilleux. Et également, là, vous pouvez aller suivre et écouter les podcasts Les Cartes Opposées, que ce soit l'AFC Corner, Bola Latina ou Efrequia. C'est des podcasts excellents tenus par Simon Balachev qui, ces derniers temps, a quelques problèmes techniques, mais va revenir en grande force. Et n'hésitez pas aussi à... On le dit rarement, là, mais à suivre Culture Soccer sur Twitter. C'est Antoine, principalement, qui tient le compte et qui le fait à merveille. Sinon, vous pouvez lire nos articles sur Lucarne Opposée et on apparaît, comme je l'ai dit un peu plus tôt, sur les magazines. Donc, merci à tous et surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos questions. Au début de la saison, vous nous posiez des questions... On y répondait dans l'émission, mais on dirait ces derniers temps, on a arrêté de le poser. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, écrivez-les et on va les répondre dans l'émission. Donc, merci à tous et à dans 2 semaines. À dans 2 semaines, tout le monde. This my rookie year.